Il Febreze. Je m'en sers tous les jours, car il répand un parfum agréable dans toute la maison. J'en vaporise sur le lit et sur le canapé après le passage du chien. Il me permet de porter ma veste en jean préférée une autre fois avant de la laver. Même les chaussures sentent bon. Il ne masque pas les odeurs. Il les élimine. Plus de 1000 utilisations. Le désodorisant textile Febreze. Merci, hein. Ben voyons, c'est pas une partie de pêche avec mes meilleurs amis qui aurait pu m'empêcher de venir donner un coup de main à Sylvain, mon bon ami des 20 dernières minutes. Oh, merci pour l'appli Intact Assurance. Il y a tellement de fonctions pratiques là-dedans, comme ma conduite. Ben, je dis ça de même, là, mais c'est pas aussi à ajouter l'assistance routière. J'ai juste à continuer de bien conduire, ça peut faire baisser ma prime. Il y a aussi l'assistance routière. Les alertes météo, l'accès à ma preuve d'assurance, puis l'appli peut même détecter si j'ai une collision. Oublie pas l'assistance routière, là! Allô, oui, allô! Allô, oui, allô! Allô, oui, allô! Quels que soient vos airs de famille, avec le rabais famille de Vidéotron, ajoutez des lignes, ajoutez des rabais. On se comprend. C'est la grande Family Fête de Family Plus. Jusqu'au 1er octobre, les membres Family Plus obtiennent les produits de soins Karine Jonka à 25 % de rabais et les produits Axe à 3,37 $. La grande Family Fête, on gagne à la célébrer. Depuis 2 ans, assurer ce type de bâtiment dans la région de Charlevoix coûte une fortune. Le ministre de l'Environnement était présent et il a été au fait du dossier. Tous les détails dans votre bulletin régional du 18h. Présente une édition spéciale Parents et enfants. On y découvre de judicieux conseils pour toute la famille, incluant un album de 12 chansons intemporelles sélectionnées et chantées par Cindy Daniel. Disponible dans tous les kiosques participants et sur jeumagazine.ca. Le VRAC est heureux de vous présenter cet épisode de La Vitrine. Bonjour et bon jeudi après-midi. Bienvenue sur le plateau de La Vitrine, que vous soyez au Québec ou au Nouveau-Brunswick. Merci de nous suivre chaque jour comme vous le faites. Et aujourd'hui à l'émission, on vous fait découvrir le Centre de formation professionnelle, le Pavillon de l'avenir, et plus précisément le volet Services aux entreprises Kamouraska-Rivière-du-Loup, qui vous propose différentes formations que vous pouvez suivre à distance. Donc, peu importe où vous êtes dans la province, sachez que c'est possible pour vous d'accéder à ces programmes de formation qui sont fort intéressants et diversifiés. Et on en parle avec Nathalie Diana Bélanger, notre invitée aujourd'hui à La Vitrine. Nathalie, Diana, bon après-midi à toi. Merci, toi aussi. Très heureux de te recevoir. Ça fait un petit moment qu'on s'est vus. Oui, ça fait du bien après la pandémie. Ça écoute, d'enfin revoir des gens, d'avoir une discussion face à face, au-delà d'un écran, on est très heureux de ça. Et par contre, la formule écran demeure disponible chez vous parce que vos programmes de formation sont vraiment accessibles à tout le monde. Peu importe où on habite, au Québec, au Nouveau-Brunswick, on peut suivre les différentes formations que vous offrez. Et il y en a deux, notamment, qui retiennent l'attention, où les besoins sont très grands en termes de main-d'œuvre. On pense à laquelle en premier lieu? Alors, on parle de l'AEP en service de garde en milieu scolaire. Donc, c'est un AEP, puis on s'est comme adapté avec la pandémie. Bien, je veux dire, la formation en ligne a eu lieu aussi. Donc, on est vraiment dans un milieu de travail. Ça veut dire que les gens, dès le départ de la formation, sont engagés par la commission scolaire. Okay. Et par la suite, ce qu'ils font, c'est qu'on va donner de la formation en ligne le matin. Et après ça, durant l'heure du dîner, bien, ils sont en service de garde, donc ils sont comme considérés en stage. Okay. L'après-midi, on donne la formation en ligne. Et en fin de journée, ils sont en milieu de service de garde. Donc, c'est carrément une alternance travail-études, ce qui permet d'apprendre vraiment de façon concrète le métier d'éducateur en service de garde. Oui, puis ils mettent vraiment en action là, ce qu'ils viennent d'apprendre le matin, bien, c'est vraiment, puis ils apprennent beaucoup plus vite. On a déjà une cohorte en cours, là, et il y a toute une différence, on voit vraiment une différence. Puis ils ont déjà un remplacement de poste.
Fait que c'est très, très intéressant au même moment parce que c'est là, ils savent que c'est à eux autres pour l'instant. Ils sont assurés d'avoir un emploi aussi dès que la formation se termine parce que les besoins sont tellement grands dans ce domaine-là, notamment. Donc, c'est vraiment un avantage considérable. Et à qui s'adresse précisément ce type de formation? Quels sont les prérequis que vous exigez? Les prérequis, c'est 18 ans, bien sûr, parce qu'on est en service de garde. Et ça va prendre aussi automatiquement qu'il y ait un secondaire 5 ou un AENS, une attestation d'études de niveau secondaire. Des fois, c'est un petit examen qui passe, puis ça équivaut même que secondaire 5. Alors là, ça leur permet justement de pouvoir là, faire la formation. Et au niveau du profil type du candidat, parce que oui, il y a le bagage académique qui compte pour une chose lorsqu'on veut suivre un programme de la sorte, mais au niveau du profil type du candidat, vous recherchez quel genre de qualité pour exercer cette profession parce que ça ne s'adresse pas nécessairement à tout le monde. Moi, personnellement, je ne suis pas certain que j'aurais la patience pour faire ça. Ça prend de la patience. Ben, c'est ça. D'aimer les enfants, bien sûr, parce que là, c'est vraiment de 4 à 5 ans jusqu'à 12 ans. C'est d'être capable aussi d'avoir des idées, de faire des projets parce qu'ils vont faire des activités. D'être créatif aussi. D'être créatif, d'avoir aussi un petit côté jeunesse, je trouve. Là, j'en ça, je l'ai. Oui, oui. Ça, oui, t'es correct. Tu serais bon pour ça. Mais on en a qui ont dans 50 ans, qui suivent la formation puis ils ont un cœur d'enfant. C'est vraiment, ils sont très, très bien puis c'est aimé. Puis il y a tellement de trucs qui sont donnés, dont entre autres, ils vont apprendre la théorie de l'impact. Notre professeur est vraiment là, spécialisé dans cette théorie-là et ça a vraiment un impact chez les jeunes très positif. Alors, c'est le fun. Puis en plus, la formation est rémunérée par la commission scolaire. Bien, voyons donc. Donc, les gens reçoivent un salaire durant leur formation. Fait que c'est très, très intéressant. Et les cohortes débutent à quelle période? Parce que je présume qu'il y a des formations qui débutent de façon quand même assez régulière de votre côté. Oui, on en termine une là, de la semaine prochaine. Et la prochaine cohorte, c'est du 17 octobre au 26 janvier. Alors, c'est vraiment dans cette période-là qu'on va donner la formation. Donc, c'est pratiquement un 3 mois intensif de formation. Oui, le dernier mois, comme le mois de janvier, c'est pratiquement juste en stage. Là, ils n'ont plus de théorie vraiment. C'est vraiment juste des stages. Et au niveau des avantages à travailler en milieu scolaire, évidemment, ils sont nombreux. On n'a qu'à penser, à la rémunération qui est excellente, ça dans le plan gouvernemental aussi. Donc, ça fait en sorte que les fonds de pension, etc. Exactement, les vacances aussi. Donc, dans ce milieu-là, sont fort intéressantes. Alors, je pense que c'est vraiment une formation qui peut s'adresser à plusieurs personnes. Les besoins sont grands. Toutefois, comme tu l'as souligné, il faut avoir son cœur d'enfant. De mon côté, c'est coché, oui. Il faut avoir de la patience, de ce côté-là. Il faudrait que je travaille ça un petit peu. Et surtout, avoir un intérêt pour la clientèle jeunesse, parce qu'évidemment, on joue un rôle prépondérant dans leur développement. Ça, c'est très important de le souligner. Pour s'inscrire, ça fonctionne de quelle façon, ma chère Nathalie Diana? On peut appeler Valérie Marquis au 862-8204 et le poste est le 2816. Parfait. Alors, il y a aussi une plateforme web fort intéressante qui a été lancée. Admission FP, que vous pouvez vous inscrire. Donc, souvent, soit qu'ils aillent sur le site de la commission scolaire, mais bien souvent, ils veulent aller sur Admission FP. Oui. Puis, en arrivant, bien, ils vont aller chercher l'AEP Service de garde. Mais il y a apprendre autrement aussi. Donc, là, on voit le lancement d'une entreprise, c'est un des volets, mais il y a d'autres secteurs d'activité que l'on peut consulter sur cette plateforme-là. On a vraiment tous les détails. Complètement changé. Alors, quand c'est vraiment une recherche rapide, on clique, on trouve ce qu'on veut, puis on a toutes les informations et les liens nécessaires. Génial. Donc, on se rend sur cette plateforme web, sur le centre, évidemment, formation professionnelle, pavillon de l'avenir de Rivière-du-Loup, pour en apprendre davantage sur cette AEP en service de garde. Nathalie Diana, si tu le veux bien, on va s'arrêter 2 minutes, mais au retour, on va parler d'une autre formation fort intéressante qui a été lancée en grande pompe par le premier ministre François Legault, alors que les besoins en RPA sont très grands. On parle évidemment de la formation de préposé express, qui comporte de nombreux avantages aussi et de très belles opportunités de carrière. Donc, après la pause, on va en discuter. Alors, je t'invite à rester confortablement installé sur notre magnifique plateau que tu vois pour la première fois. Oui, puis il est très beau. Bien, merci beaucoup. Je l'ai fait faire à mon image. Alors, on s'arrête 2 minutes et au retour, la discussion se poursuit avec Nathalie Diana Bélanger, notre invitée à la vitrine aujourd'hui, qui vous parle du Centre de formation professionnelle, le pavillon de l'avenir, mais surtout du volet services aux entreprises et des différents programmes d'études qui vous sont offerts. L'agenda du Témiscouata vous est présenté par Excavation Joseph Dumont, équipe solide pour venir à bout de vos travaux d'excavation, drainage et terrassement.
La fin de semaine de l'Action de grâce est la suivante. On célébrera la 50e édition du plus vieux festival au KRTB, le Festival du Pointu de Saint-Just-du-Lac. Au programme, pièces de théâtre, marche aux abords de la rivière Touladi, encans gourmands, jeux gonflables, expositions artisanales et bien plus. En nouveauté, randonnée quad, jeux d'évasion sur table et médiévaire avec ses ateliers d'escrime à l'épée de mousse et de laser tag. La pêche au Pointu se tiendra quant à elle du 15 au 28 octobre. Et le comité d'accueil des nouveaux arrivants au Témiscouata a lancé une programmation d'activités pour l'automne, dont entre autres un pub quiz interculturel le 14 octobre à 19h au beau lieu culturel du Témiscouata. Une présentation d'Excavation Joseph Dumont qui, en plus d'être un chef de file en excavation, vous propose des terrains à prix abordables avec une vue magnifique sur le lac Témiscouata. Levrac, Rivière-du-Loup, 226, rue La Fontaine. Journaliste, c'est un métier passionnant. Catherine Pellerin, CIMT TVA, Rivière-du-Loup. Mais l'exercer dans une région magnifique où la population est accueillante et sympathique, ça, c'est encore plus enrichissant. C'est ce qu'on vous offre à CIMT TVA. Deux postes de journaliste à temps plein, un à Rivière-du-Loup et l'autre dans nos bureaux d'Edmundston. On a besoin de vos talents. Envoyez votre CV avant le 9 octobre. Vous êtes bienveillant, vous avez une facilité naturelle à entrer en contact avec la clientèle âgée. Alors, on vous invite à vous inscrire à la formation express de préposés aux bénéficiaires. Et pour en discuter, bien, c'est Nathalie Diana Bélanger du Centre de formation professionnelle Le Pavillon de l'Avenir, volet services aux entreprises, qui est avec nous pour nous dévoiler les grandes lignes de ce programme de formation quand même assez intensif, disons-le. Alors, Nathalie Diana, en quoi ça consiste exactement le poste, ou plutôt la formation de préposé express que vous offrez chez vous? On appelle ça préposé express parce que c'est moins long. C'est vraiment le préposé, mais dans le milieu en CHSLD surtout, parce que okay. Les demandes actuelles sont là. Oui. C'est vraiment en longue durée qui est la problématique. Alors, ils ont décidé de faire une formation écourtée, donc pour qu'on puisse emmener des gens le plus rapidement possible sur le milieu de travail pour aller donner un coup. Oui, parce que les besoins sont énormes actuellement. Énormes. Alors, la formation, c'est vraiment centré sur le longue durée. Alors, on a pris le volet qui avait de la formation préposée, mais on est allé chercher toute la partie plus longue durée pour que les gens puissent fonctionner juste avec cette clientèle-là aussi. Donc, c'est une formation que nous, on va donner à compter du 24 novembre jusqu'au 3 mars. OK. Il y a des bourses, donc, sont engagées par le CISSS. Il y a une bourse de 9 210 $ qu'ils vont recevoir. Et ça permet aussi à ces gens-là, ben, on suit la formation, d'avoir toutes l'information nécessaire. Puis quand ils vont aller en stage, bien là, ils sont vraiment sur le plancher, puis ils savent qu'est-ce qu'ils ont à faire. Nous autres, ça serait notre cinquième cohorte qu'on va former. Alors, on en a encore besoin. Le CISSS nous a appelés, puis on dit, bien là, on a vraiment besoin. Les inscriptions ont commencé depuis 2 semaines. Il y a un petit peu plus, là, d'achalandage. Mm-hmm. Je vous dirais qu'il reste encore quelques places. Très intéressant. Même, on a demandé si c'était possible, là, d'avoir un petit peu plus de places dans notre groupe. Alors, parce qu'il y a un nombre, c'est restreint. Oui, limité, c'est ça au niveau des bourses. On fait plusieurs cohorts, mais comme tu le dis, il y a un nombre de bourses aussi qui est limité. C'est ça. Il y a 22 bourses de disponibles. Fait que c'est pour ça qu'on a la chance, nous, de les avoir à Rivière-du-Loup. Fait qu'on les a tous pris. On a dit, bien, nous, on lève la main, on est intéressé à la donner la formation. Et est-ce que les candidates intéressés par ce programme de formation, les 22 premières personnes qui s'inscrivent sont assurées d'avoir une bourse ou au contraire des critères de sélection pour être admissibles à recevoir le montant d'argent? Il y a des critères de sélection, fait qu'ils vont s'inscrire sur admission FP toujours. Oui. Et par la suite, bien, Valérie, c'est toujours Valérie. Là, Valérie. c'est mon bras droit, c'est pas de Valérie, je ne fonctionne pas. Mais Valérie reçoit les inscriptions. Par la suite, elle, une fois que les dossiers sont montés, sont analysés pour voir s'ils ont toutes les vraiment le troisième secondaire, français, maths, anglais, mm-hmm. ou un TDG, c'est la même chose. Et par la suite, une fois qu'ils ont ces critères-là, ils passent une entrevue avec le CISSS du Bas-Saint-Laurent. Et une fois qu'ils sont engagés, donc ils sont considérés comme un employé, donc par la suite, là, ils sont sur le groupe pour donner la formation. Formation qui est donnée en ligne, qui
est donné en présentiel, comment ça fonctionne? Est-ce que c'est partagé entre les deux? Bien, je vous dirais qu'il y en a beaucoup plus au niveau présentiel, parce que c'est normal, on a des choses à montrer, des déplacements à faire. Ça peut arriver que des fois, il y a des choses de la théorie qu'on peut donner en ligne. Oui. Mais en règle générale, c'est beaucoup plus là, en présentiel. Le volet plus théorique peut être donné via les plateformes web, mais le volet pratico-pratique, vraiment la manipulation des instruments de travail, les déplacements c'est des ça. Personnes on aussi. On n'a pas le choix. Donc, là. C'est ça, apprendre à aller avec quelqu'un. C'est plus difficile en ligne. On peut apprendre beaucoup de choses en ligne, mais ça, ça effectivement, ça va mieux si on est en présentiel. Donc, tu l'as souligné, c'est en novembre prochain que cette cohorte-là débute. 24 novembre jusqu'au 3 mars. Ça prend 18 ans, troisième secondaire français, maths, anglais ou un TDG. C'est quoi un TDG? Un test de développement général. Les gens qui disent, hey, moi, j'ai juste un secondaire 2, puis c'est de valeur, j'aurais été intéressé. Puis des fois, ils ont un beau profil. Là. Ils ont de l'initiative, ils sont humains, une belle approche avec la clientèle. Bon, des fois, on dit, bien, allez voir le service aux adultes. Ils font passer le test de développement général. Le TDG, c'est pas long. Certaines expériences de travail aussi peuvent être considérées comme des équivalents, je présume. Là. Des fois, la formation académique. Mais dans cette formation, là, c'est vraiment, il faut qu'il y ait les préalables. Donc, le TDG, souvent, ils vont aller voir le service des adultes, passent l'examen, ils ont le TDG, donc ils sont admissibles, et par la suite, ils passent l'entrevue. Je l'ai souligné d'entrée de jeu, ça prend de la bienveillance, évidemment. Oui. Ça prend une facilité à entrer en contact avec les aînés, ça prend de la patience aussi. Relations aidantes. C'est ça. Donc, quelles sont les autres qualités qui sont nécessaires pour bien exercer cette profession? Parce que c'est un métier quand même très prenant. Hein? De l'empathie. Il faut faire attention parce que souvent, avoir de la sympathie, c'est qu'à un moment donné, c'est ton moral qui en prend un coup. C'est vraiment l'empathie. Être capable de se détacher, mais de comprendre la situation de l'autre. Voilà, oui. Puis je pense que c'est surtout ça que nos personnes âgées ont besoin. Mm-hmm. Alors, on voit tellement de violence et justement, ce cours-là permet d'éviter d'avoir cette approche-là, puis de comprendre. Des fois, on fait des gestes pensant que c'est correct, mais des fois, on peut provoquer des comportements perturbateurs. C'est vrai. Fait que là, ça vient de régler. Mais d'où l'importance d'avoir une formation concrète dans le domaine. Je pense que ça fait vraiment une différence notable aussi pour ces personnes-là. Et encore là, au niveau des opportunités de carrière, elles sont loin d'être limitées. Les besoins sont criants, énormes actuellement. Oui. Donc, c'est une formation qui peut assurément vous promettre un bel avenir dans le domaine des services aux bénéficiaires, dans le métier de préposé aux bénéficiaires. Tu parlais que c'était déjà votre cinquième cohorte. Quels sont les commentaires que vous recevez des anciens étudiants qui ont suivi une formation chez vous et qui travaillent aujourd'hui dans ce milieu-là? Bien, je vous dirais que pour la majorité, c'est ce qui est plus drôle, c'est que là, ils ont fait l'AEP, mais ils viennent me voir pour faire de la reconnaissance des acquis et finaliser et avoir le DEP pour pouvoir travailler partout. Parce que là, au lieu d'être restreint en longue durée, ils s'en vont travailler à l'urgence après un an, parce qu'ils ont un an à donner après la formation. Ils ont un an à donner au CISSS. Oui, ils sont rémunérés, là, ils ont une bourse, puis ils vont être rémunérés après, mais ils sont reliés à l'employeur pour une période d'un an. Mais tous les gens viennent me voir, on fait de la RAC, puis on s'en va vers le DEP. Ah, c'est le fun! Oui. Oui, ça vous fait vraiment une différence concrète, je pense, dans le parcours académique, dans le parcours professionnel aussi des individus qui choisissent le Centre de formation professionnelle Pavillon de l'avenir de Rivière-du-Loup. On a parlé de deux formations, mais il y en a tellement d'autres aussi qui sont offertes. Donc, on visite le site Internet officiel du Centre de formation professionnelle Pavillon de l'avenir de Rivière-du-Loup pour en apprendre davantage sur les différents corps de métier et surtout sur le volet service aux entreprises qui peut vraiment vous permettre de donner un virage important à votre carrière. Nathalie, Diana, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était un plaisir de te retrouver en présentiel, en espérant qu'on remette ça rapidement. Oui, oui. Super, bien, passe une excellente fin de journée. Merci. Merci de ces précisions concernant ces deux programmes d'études, soit préposés aux bénéficiaires, formation express ou encore éducateurs en service de garde, deux cohortes fort intéressantes. Merci à la maison de nous avoir suivis encore cet après-midi. On se retrouve demain, 15h, vendredi, pour la dernière vitrine de la semaine. C'est fantastique, mais c'est génial. Wow!